Alors. Si, ça a l'air d'être envoyé. Oui, c'est tout bon. Salut à tous, c'est Loul 5100. Mais ta gueule le téléphone! Et donc, salut à tous, c'est Loul 5100 et on se retrouve pour un live de Resident Evil 5, les amis, et j'espère que vous allez bien. Donc, le petit écran bleu, c'est normal, n'ayez pas peur, hein. Voilà, chargement réussi. On va donc continuer l'aventure en incarnant Léon. Donc c'est ça, ça fait un petit moment, ça m'était passé live Resident Evil, et puis mais il faut le finir quand même, hein. Surtout que j'aimerais faire le DLC du 7, donc autant torcher celui-là avant. Allez, on est parti! Oui, solo. On peut acheter du neuf. Même pas, je réponds. J'en peux plus de ce fixe. Démarcheur de merde, lâchez-moi! Voilà, ça c'était mon petit craquage là, hein? Donc non, je vais pas acheter d'armes ou quoi. Matraque électrique non plus, des mines. Gilet de combat non plus, ça prend de la place dans l'inventaire quand même. Puis on en a en plus, on en a des gilets de combat. Eh ben oui, ça laisse pas de message, hein, vu que c'est juste pour faire rien. Pardon, autant pour moi. Et sinon, merci à tous les derniers follow. Merci à Katuo40HDFDG. Merci à Chris20000CC. Merci à Jatinbatra980. Et à tous les autres followers. On vient de passer les 3100. Merci beaucoup à tous. Et sachez que cette vidéo, la rediff du live, sera également disponible sur ma chaîne YouTube à Loul5100. Donc voilà, et puis à tous les abonnés de la chaîne YouTube, je vous fais un gros coucou. Allez, on est prêt, on va péter du zombie. A top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source, the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. I saw on that data looked like her. I have to
to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Oh, mais on n'a plus d'armes. Enfin, on n'a plus de balles, surtout, quoi. Ouais. Le corps d'un agent du BSSA, quelle tragédie. Son PDA contient un message d'un envoyé. Rapport d'activité. D'après les preuves recueillies, la plupart des membres de l'équipe Delta ont été éliminés entre le moment où ils ont demandé du renfort et notre arrivée sur les lieux. Une de leurs balises continuait d'émettre. Nous en avons donc suivi le signal afin de retrouver les éventuels survivants. En chemin, la balise a cessé d'émettre. D'après le dernier signal transmis, la balise devrait se trouver à une courte distance devant nous. Une porte scellée bloque le passage. La progression risque de s'avérer difficile. Fin du rapport. Ok. Alors on va péter ça. Dites-moi qu'il y a des munitions, s'il vous plaît. Oui. Eh oui. Alors, munitions du pistolet. Comment qu'on recharge déjà? Je me rappelle plus. Alors ça c'est les munitions du fusil. Ok. Donc, voilà. Et elle, elle a plus de bastos du tout. Mais non, on a déjà regardé tout ça. On peut passer cette porte du coup, ça se passe comment? Ah, petit rubis. C'est solidement fermé, je ne pense pas qu'on pourra l'ouvrir. Et du coup, on passe comment? Take it. Ok, on a obtenu une tablette bestiale. Très bien. Faut qu'on se casse. Ah bah oui. Tu vas accélérer, oui. Quoi, faut qu'on trouve toutes les tablettes? Là, apparemment, on peut se poser, non?
Ouais. Ah, la carte des tablettes, carrément. Ça traîne comme ça. Données ajoutées à la carte. Ok. Bon, il y en a 4 à récupérer au moins. Donnez-nous des munitions, bordel! C'est calme pour l'instant. Pas de l'or, c'est toujours ça. Tiens, bouge pas toi. Oui, tiens, pillons l'Afrique et tous ses trésors, pourquoi pas. J'aurais pu le laisser aux partenaires aussi, mais non. À moi, j'aime l'argent. Eh, viens, Shiva. Fouille de partout, hein. Une grenade incapacitante. Tiens, je lui laisse. Ah, je peux pas l'ouvrir de là. Faut que je monte. Oh! Un lance-roquette! Carabée. Oh, elle a plus beaucoup de vie, Shiva. Elle a même plus du tout de vie. Ça serait bien que je lui en redonne avant qu'on se fasse attaquer. Même moi, je suis pas au top de ma forme, on va dire. Elle est grande cette zone marécageuse. Je vais lui remettre de la vie ici. Enfin, on va tous les deux reprendre de la vie là. Ok. Je pense qu'à partir de là, ça va commencer à partir en cacahuète. Munitions de pistolet, bah, je vais lui en laisser aussi. Hein. Ah, j'en ai pris un petit peu quand même. Arrêtez de me donner de l'or, donnez-moi des munes. Je vais enlever la carte là, on va fouiller.
j'ai cuté le poulet. J'ai même pas fait exprès. J'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit, mais je voulais pas forcément le faire. On va se faire attaquer sur le retour, c'est pas possible. Cartouche de pompe, m'en veux pas, je les prends, hein. I see something up there. Give me a hand. Eh oui, je vais t'aider, bouge pas. Allez, vas-y. Une nouvelle tablette. Bah, nickel. Obligé. Il y a du people. All infected. How could someone do this to them? Ok, plus de balle. Ah, loupé. Ah ben non, il a pas loupé tout le monde. Eh ma grande, t'as une grenade, ça serait bien de t'en servir. Et on s'en fout de ramasser l'or là. Ouais. J'arrive, Shiva, j'arrive, j'arrive. Elle va crever. Merde. Oh, 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 oh. C'est quoi ces trucs? Ah! Are you okay? Mourant, tu m'étonnes. Dégage-toi. Casse-toi. Ah. Heureusement qu'elle est là. Un carnage. Je vais pas sortir le roquette pour ça. Casse-toi, toi. Mange de la patate. Merde, plus de balles, plus de balles. Ah, c'est pas vrai, y en a encore. Ah, ah.
Are you okay? Ouais, vachement bien, tiens. La patate. Alors elle a une crème, c'est foutu. Moi je peux mourir 10 fois, elle m'a dit, mais à chaque fois. Oh le carnage qui est organisé. Vendez des munitions là, pas que des armes sans déconner. Moi, je pourrais acheter des mines, tu me diras. Hein. Organisé, tiens. Pourquoi je vendrais pas tout ça, ouais. Chris, voilà. Tiens, je vais mettre des mines de partout. Puis ça, on va le donner à Shiva. Hein. Et puis, on est reparti. Allez. Mais qu'elle est... Ouais, non, bon, d'accord. Ok, ça fait qu'il me reste un soin sur moi, c'est pas plus mal. Mais... Bah, la vache, il est costaud, ce pot. Ah, mais attends, vu que j'ai plein de trucs, là, en fait, j'ai plus de place, moi. Je vais lui donner ça. Thanks. Comme ça, je pourrais au moins prendre les munitions de pistolet. Hein. Ah, j'avais pas vu le document. De le combattre au corps à corps. Ah, d'accord, ok. Direct, crochet, uppercut, coup de genou. Enfin, voilà la totale. Mawashi guéri dans sa gueule. Allez. Est-ce que je vais arriver à me faire le poulet au couteau? Tiens, je t'ai pas vu toi tout à l'heure, si? Non? Il me semble pas. Hein. C'est bien de péter ses munitions sur des crânes là, avant d'aller attaquer. Où es-tu, petit poulet? Poletto! Viens là, Poletto! Poletto! Les poulets! Les poulets! Ouais! J'ai le poulet! Attends, c'est quand je l'aurai aidé qu'ils vont débarquer, eux. Donc pourquoi ne pas poser une mine maintenant? Voilà. Une là. Une là. Et après, pour le reste, on verra. Oui, je vais te donner un coup de main. Bouge pas. Si je t'aidais à monter là déjà. Vu que je sais que la tablette est dans l'autre coffre. Qu'est-ce qu'elle a ramassé là? Un trésor, je crois. Allez. Et là, ça part en cahuète. Comme il se relève, quoi. Le petit saut qui servait à rien, mon gars. Allez, coup dans les bols. Elle va te tuer, toi. Oh, il m'esquive les balles à la Matrix, maintenant.
Et non, il y a une barrière là. Tu peux pas me toucher. Il y a la barrière magique. Shiva va ramasser les munitions là. Ça te fera du bien. Non, tu veux pas? Bon, bah, je les prends, hein. On a tué tout le monde ou... Moi, je récupère ma mine, hein. Ok, on va remettre la mine. Viens, on se casse. Recule, Shiva. Non mais le truc c'est qu'elles disparaissent les munitions au bout d'un moment quoi. Voilà, merci. Hein, t'es bien gentil toi. Un peu con-con mais gentil. Pourquoi je peux pas prendre les cartouches de pompe? Toi, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Allez. Et pourquoi elle peut pas les prendre les munitions? Ouais, thanks partner, ouais. Alors elle le ramasse là. Ah ouais, ah ouais, ouais. Attends, tout à l'heure, je vais pour ramasser les munitions de pompe, ça me dit plein. C'est l'inventaire qui était plein en fait, pas les munes. Oh, t'y crois toi. Et l'autre, elle a des grenades, elle les utilise pas non plus, mais... Qu'est-ce. Allez, on se barre d'ici. Oui, tu es une quichette, Shiva. Je l'ai dit. Et j'assume. Allez, on va aller là-bas au fond, là. Non, il n'y a rien par là, ok. Qu'est-ce que c'est? Heureusement que j'appuie sur le turbo. Voilà. Au moment où on arrive, très utile. Looks like we have to go this way. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle s'énerve la musique? Il y a quoi dans l'eau? Ah bah oui, des crocos. Mais cours! Mais qu'est-ce qu'elle fait elle? On peut pas grimper là-dedans, ben non. Hein. Ah ah. De quoi? Qui c'est qui a fait diabouiller? Ah.
je peux pas lui donner. C'est quoi son souci à elle? Alors, ça, tiens, je te le prends. Voilà, prends des balles. L'œuf, ça redonne de la vie, je crois. Faut peut-être pas que je le bouffe maintenant, moi. Là, y a rien. Dans la maison à côté, on va regarder quand même. Dis quoi? Ok. J'ai plus de balles. De pompe, je les prends, hein. Come on. Roger. Take it. Okay. Bon, cette merde là, on va la manger, hein. Voilà. Comme ça, je pourrais peut-être prendre des trucs intéressants. Et on va ramasser la tablette. Et là, ils vont tous s'énerver. Ça se casse, ça? Ça donne rien. Et une tablette. Allez, on se fait attaquer? Ah non. Par contre, est-ce qu'on peut voir les crocos d'en haut, là? Ça serait pratique. Parce que je sais qu'ils sont par là. Hein. Vous aussi, vous le savez. Bon. Et bon, on va essayer de courir, hein. Cours. Ah, dites pas qu'on recommence pas tout. Non, on est prêt, on y va, allez. Oh non, on recommence tout. Viens par là. Ah ! Wow ! Il s'était pas que deux tout à l'heure ? Et merde, plus de balles. Donc elle, faut que je revide son truc là. Et on va prendre ça. Voilà. Non mais... Qu'est-ce qu'elle a ramassé? Mais t'y crois, toi? Allez. Voilà. Bon, et maintenant, faut que je lui donne ça. Thanks, partner. Pour prendre des munitions de pompe. Ils nous ont laissé des munitions dehors ou pas? Non. Il n'y a plus de mun. Génial.
Donc là, voilà, il y a lui là. Tiens, tu te le fais s'il te plaît. Merci. Ah, des munitions de pistolet. Donc là, faut arriver à se barrer sans se faire bouffer par les crocos. Donc je vais prendre le pompe et puis on va cavaler. Hein. Je vais leur mettre des coups de pompe dans leur tronche. Mais... on peut pas le mettre dans l'inventaire ça. Ah voilà, on peut retirer des trucs, on va y retirer ça, de toute façon elle s'en sert pas. Ça lui fera de la place. Bon, moi je garde tout hein. Et puis on est reparti. Hein. Sans rire quoi. Mais quoi tu... Ouais, faut qu'on passe par là, ouais. Oh, c'est mon or. You grab it. Okay. Voilà. You grab it. Okay. Oh, le pied qui dépasse. Ah, ah tellement moi d'ave. Allez, la tablette s'est obtenue. Il nous a donné quelque chose lui ou pas? Des cartouches de pompe. Je peux pas les prendre. Ah, je peux pas combiner avec ce qu'elle est là. Donc, échanger contre ça. Ça, combiner à ça. Et comme ça, je peux prendre les cartouches de pompe. Alors là, mais comment j'appréhende les crocos là. Et on se casse. Mais j'ai vu, il y a un truc qui brillait, mais tant pis. Oui. Elle arrive. Allez, Crocodile Dundee, s'il te plaît, bouge-toi.
Ah, point de contrôle, ça a sauvegardé. Faudra pas recommencer toute cette dub. Oh oh. There are fish here. Non mais tes munitions, toi. Il me semble qu'il faut qu'on aille tout au fond, hein, là-bas. On y est allé là-bas. Plus par là alors. Bah non, j'ai fait aussi ça tout à l'heure. Enfin, il me semble. Est-ce que je tournerai pas un petit peu en rond là? Non, on n'est pas venu ici. Mais si, c'est de là qu'on vient, c'est là où il y a les crocos, putain. Mais c'est pas vrai. On va aller poser les deux trucs là qu'on a ramassé. Et toi, arrête de péter tes munitions contre des trucs qui servent à rien. Là, les gens sur les pylônes, tu les laisses tranquilles. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il manque une tablette. Elles sont où? Alors, attendez. En haut, on y est allé. Pourquoi il y a une croix en bas là? Allez voir, hein, on sait jamais. C'est de là qu'on arrive, ça. Oui, qu'ici on a vu le premier truc là. Quand on n'est pas allé tout à gauche. Il me semble pas. Là. Je sens le traquenard où on va être bloqué là.
Point de sauvegarde, on est au bon endroit. Merci Shiva. Oh putain. Okay. Ah putain, munitions de fusil, je peux pas les prendre. Voilà, ça c'est fait. Et la dernière tablette. Allez Chris, fais le plein. You grab it. Roger. Apporte tes trucs lourds qui servent à rien, s'il te plaît. Moi, ça me va comme ça. Qu'est-ce qu'elle a cassé, elle? Ah, de l'herbe. Tu la prends pas, l'herbe. Voilà, on pourra se soigner. Allez, allons mettre cette dernière tablette en place. Hein. Ah, on peut pas par là, ok, d'accord. Shoot as it is.
Comment on fait quand t'as plus de munitions, toi? Ok, ils sont gentils. Ils ont vu qu'on avait plus de munitions, du coup ils ont baissé le truc pour qu'on puisse passer. Trop aimable. Allez, 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 on se barre, on se barre. Qu'est-ce qui va nous attendre là derrière? Ah, il marécage dans la nature. Marrant, ça me rappelle Resident Evil 7 là d'un coup. Même si c'est pas sur le même continent. Hein. Et qu'est-ce que... Ouais. Ça va être le Y ici. Take it. Okay. On va lui donner des munitions à Shiva quand même. Ouais, je vois beaucoup de plantes et tout, ça sent pas forcément bon ça en général. You grab it. Okay. D'accord, ça on sent qu'il y a des pics qui vont sortir, ben voilà. Mais on est tous coincés. On est tous dans le même bateau, Valrom. Elle vient de ramasser un magnum, je peux arriver. Ok, il y a du lourd là. Tiens, prends les munitions. Qui prend le temps de recharger comme ça, là, tranquille. Bon, les munitions, elles vont disparaître, là, si tu les prends pas, grosse cruche.
Merde. Si ça pue. Ah! Ah oui, tiens, ça y a fait mal, ça. Cours. Et où ? Merde. Vas-y, avance. Qu'est-ce que... Tu sors d'où, toi ? Oh, merde ! Dis-moi que t'as de la vie, toi. Bon, mais... Thanks, partner. Mais tire-leur, tu tires dessus. Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? You're taking the plank? Okay, I'll head for the bridge. Bouge-toi. Mais jamais il crève, lui. Ah bah enfin. Vous arrivez à l'infini comme ça? Parce que c'est relou, hein. Elle a plus de munitions, elle peut être. Nice shot.
Oh, le stress, c'est... Ah, va là-bas, s'il te plaît. Oh, et salut Akiro88, bienvenue sur live. Et oui, ça va, nickel. En pleine nostalgie avec ce jeu. Allez, passe-toi. Voilà, elle va m'ouvrir ici. Bon, on va redescendre fouiller, hein, que je récupère des munitions, quelque chose. Putain, j'ai cru que c'était fermé. À mon avis, on est passé à côté de pas mal de trucs, là, en cavalant pour les éviter. Ah. Et pourquoi ils font ça? Genre ici. Oh, des munitions de Magnum, c'est elle qui a le Magnum. C'est bon, elle les a équipées. Ouais, munitions normales de petits pistolets, c'est pour moi, hein. Le Magnum, je vais lui laisser parce que mine de rien, elle se débrouille bien, elle. Shiva. On va aller fouiller dans la maison là. Cartouche de pompe, allez, je recharge aussi. D'accord, mais salut Mathias. Bah oui, je vous rappelle bien entendu. Alors, Magnum, on lui laisse. Pistolet, je prends. Les herbes rouges, je les prends. Pistolet. Je prends. Ah, ça va, là, un Magnum, elle. Et c'est un peu de bastos, quand même. Allez. Et tu vas bien, Matt? Allez, on ramasse. Non, je voulais pas faire tomber, je voulais descendre, tu vois, mais bon. Si tu sais utiliser une échelle qu'à la montée et pas à la descente, c'est ton problème, hein, mon Chris. Étonnant que tu sois arrivé aussi loin, quand même, toi. Allez, barrons-nous d'ici. On évite les trous de René la top. Hein. Hop là. Ouais, tout le monde va bien, Mathias. Merci. Ah, des munitions au taquet, ça fait du bien, tiens, ça faisait un moment ça. Qu'on n'avait pas été plein. Ah, je vais peut-être lui donner quelque chose à elle. Ah ben non, on peut plus vu qu'elle ramasse des œufs à la con. Ah si, elle recharge, donc je vais lui donner ça. Voilà. Comme ça, moi je vais combiner les deux trucs. Prendre les cartouches de pompe. Recharger. Alors, journal d'un jeune villageois. 5 avril. Un homme qui s'est présenté comme le contremaître de l'usine pétrolifère nous a rendu visite aujourd'hui. Il affirme vouloir vacciner tous les riverains du champ de pétrole contre une certaine maladie. Lorsque mes parents étaient jeunes, son entreprise a escroqué les habitants pour leur voler leurs terres. Ses dirigeants doivent s'en vouloir puisqu'ils proposent souvent leur aide au village à présent. Lorsque la traversée du marais nous était impossible, ils ont installé une corde et une nacelle pour nous. Parfois, ils nous ont même offert de l'alcool provenant d'autres pays. Cette vaccination doit faire partie des initiatives entreprises pour se faire pardonner. Tout le village est content de se faire vacciner, mais je ne suis pas intéressé. Je ne sais pas exactement pourquoi je n'en veux pas. Je n'aime pas le contremaître de l'usine, c'est tout. 8 avril. Tout le monde s'est rendu au champ pétrolier pour se faire vacciner. Le village n'a jamais été aussi calme. Je vais aller me faire une petite sieste. 9 avril. J'ai trop dormi pendant la journée. Je n'avais donc pas sommeil le soir venu. De plus, le village était agité. Les adultes s'étaient réunis pour parler sérieusement. Tous les enfants souffraient d'une grave fièvre. Leurs mères ont puisé de l'eau pour faire baisser la température de leur corps. En vain. Le matin suivant, ils étaient tous morts. Le chef du village est allé
au champ pétrolier pour savoir si le vaccin avait causé la mort des enfants. À son retour, il a dit que les enfants étaient morts parce qu'ils avaient déjà contracté la maladie. Il a aussi dit qu'absolument tout le monde devait se faire vacciner. Je ne voulais pas, mais le village entier était inquiet. On m'a donc forcé à y aller. 10 avril. Certains villageois se battent. Tous les hommes sont en colère. Peut-être que c'est dû à la mort des enfants, mais je pense que c'est autre chose. Les femmes restent assises sans bouger. Est-ce la maladie qui se propage ? 11 avril. Impossible de rester en place aujourd'hui. C'était comme si quelque chose bougeait dans mon corps. Dehors, j'ai vu un homme étrange. Il était nu et portait une arme. Son corps était recouvert de peinture de guerre. Pourtant, ce n'est pas jour de fête. Je me suis approché pour lui parler. Lorsqu'il s'est retourné, j'ai vu son visage. On aurait dit un monstre. Qu'arrive-t-il aux habitants de mon village ? 12 avril. Des cris incessants retentissent depuis hier. Les hommes se sont parés comme nos ancêtres et se battent entre eux. La plupart des femmes sont mortes. Mal à la tête. Fièvre. Je suis en colère. Un homme devant la fenêtre. Gigantesque. Une hallucination sans doute. 14 avril. Me sens bien. Des cris. Arrête. C'est drôle. Je veux... tuer. Voilà, ça c'est fait, hein. Donc, il allait pas bien, le garçon. Il a pas pris ses gouttes. Il a pris le vaccin, mais il a pas pris ses gouttes. Oula, oui, il doit exister sur Xbox Resident Evil, je pense. Après, il date, hein. C'était PS3 à l'époque, si je dis pas de conneries. Je sais que sur PS4, ils sont tous ressortis, pratiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Monter à bord de quoi? La nacelle? Ah, peut-être fouiller la grotte avant. Après, ce qui est sympa sur ce Resident Evil, c'est qu'on peut le jouer en coopération. Avec un pote. Ou une copine, hein. Ne me taxez pas de sexisme, c'est pas du tout mon genre. Montez à bord, allez. On va faire un petit tour. Téléphérique. Et on a terminé le chapitre 3, partie 1. Ok. Ah, bon, pas mal. Peut jouer désormais au mode perdu dans les cauchemars. Ok. Oh, j'aimerais bien prendre la PS5, mais je la prendrai sûrement pas à sa sortie, les gens. Non, je veux pas acheter, je veux vendre. On va vendre tout ça. Tout vendre. Voilà. Oui, j'ai dit tout vendre. Qu'est-ce qu'ils me font Tous les trésors. Voilà. Oh là, mais il y a la chatte qui a froid. J'arrive tout de suite, les gens. Hein. C'est qu'il commence à neiger par chez moi, ça caille, hein. Allez, viens. Allez, te barre pas quand j'ouvre la porte. Quel est con. Ah, ces chats. Je me demande pourquoi c'était vénéré par les Égyptiens, ces trucs, moi. Merci beaucoup, Matt, à toutes. Et oui, on va continuer le stream, les gens, hein, au moins une petite demi-heure en tout cas. On va rester comme ça. Allez, on est parti. Je sais pas combien il y a de chapitres dans ce jeu. Secteur des exécutions, bah ça donne envie. Le pistolet pour l'instant, hein. Garder les grosses mines pour plus tard. Et plus de place pour le fusil. Putain, il n'y a plus de balles dans le fusil en plus. Bon, elle me fait chier avec ses œufs là. Tiens, voilà. Et comme ça, l'œuf, je le mange. Voilà, maintenant je peux prendre les balles de fusil. Voilà, ça prend même plus de place dans l'inventaire.
Oh, ça me parle, ça. Et ils sont contents, ils sont contents. Arrête de bouger. Voilà. Merci. Bah, toi, tu gères ceux qui s'approchent. Moi, je bute ceux-là. Ah, plus de balles, ça y est. Ah, je crois que je viens d'en croiser un. Waouh ! Come on, Roger. Et on se casse. Dégueulasse ces trucs qui volent. Merci. Ok, il est où l'autre là? Ah punaise. Au revoir. Il se passe quoi là? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Moi, faut que je monte sur le radeau, du coup, ok. Et oui, fermé de l'autre côté, bien évidemment. Mais non, j'ai esquivé! De la triche! J'ai esquivé! Get on the raft and I'll turn the crank. I'll handle it! Be careful on that thing!
saloperie. They helped fund the BSAA. What the hell are they doing here? Test grandeur nature des plagas de type 3. Une semaine s'est écoulée depuis les premiers tests des plagas de type 3. La conception du type 3 a pour objectif d'améliorer les caractéristiques physiques par rapport aux versions précédentes. Les parasites d'origine comprenaient une plaga de contrôle qui augmentait la capacité physique de l'hôte. La plaga de contrôle était plus rare. En outre, elle provoquait d'importants changements corporels chez l'hôte. C'est pourquoi son utilisation était plus limitée. D'un point de vue commercial, ces caractéristiques n'étaient pas acceptables. L'objectif était de créer des super soldats sans effet secondaire et ainsi séduire la clientèle. D'autres équipes travaillent actuellement à la mise au point de produits similaires aux plagas et destinés à être commercialisés. Étant donné la préférence des plagas pour les hôtes humains, il semble intéressant de poursuivre leur développement. D'autres produits pourraient servir à la création de soldats perforants, mais s'ils ne sont pas complètement assujettis, leur efficacité restera limitée. La création de soldats performants, hein, pas perforants. Même si les soldats, faut que ça perfore un peu quand même. L'injection d'un gène de plaga de contrôle dans une plaga subordonnée, plaga d'origine, a permis la création d'un nouveau parasite, la plaga des types 3. Si une version commercialement viable de la plaga de type 3 a été développée, elle inonderait le marché des armes biologiques. À ce jour, il reste encore des mises au point à effectuer. Un récent test sur le terrain a révélé un certain nombre de problèmes. Le principal inconvénient des plagas de type 3 réside dans leur taux d'adhérence inégal, s'élevant à près de 92% chez les sujets adultes et adolescents mâles. Taux inchangé par rapport aux plagas d'origine, il est nul chez les femmes et les enfants. De tels résultats font des plagas de type 3 un produit non commercialisable en l'état. Par ailleurs, le parasite provoque des mutations superficielles mortelles, dues selon toute vraisemblance à l'influence génétique de la plaga de contrôle. Le test n'a néanmoins pas été un échec complet. L'objectif des recherches était d'améliorer considérablement les caractéristiques physiques. En un sens, il est atteint au vu de sauts puissants dont sont à présent capables les hôtes. Un phénomène imprévu s'est également produit. La taille des hôtes a considérablement augmenté, certains atteignant près de 3 mètres. La présence de la plaga de contrôle en est sans doute la cause. Néanmoins, le phénomène reste dans des proportions acceptables. Tous les objectifs n'ont pas été remplis lors de ce test grandeur nature. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un échec complet. Les informations recueillies lors des tests en cours pourront être exploitées afin de corriger certains paramètres et améliorer le produit. Près de premier secours, mais ça sent le médicament. Est-ce de l'antiseptique? Je sais pas, essayer de le boire et puis on verra vite. Hein. Hop, hop, hop. C'était quoi ça? Serpent. Grenade. Mais j'ai vu une ombre. J'ai rêvé ou... Non, ça se fouille pas. Si, ça se fouille. Pousse-toi, Shiva.
Looks like we've arrived at the oil field. Yeah, and Irving's not getting away this time. On va voir s'il va pas nous filer entre les patas. Il y a du monde. Look, it's Irving. Moi avec le fusil je mettrais Bastos. Non mais pourquoi elle tire déjà elle? Je suis même pas prêt moi. Et elle tirait sur qui d'abord? Y'a personne. Je disais moi je prendrais le fusil, j'y mettrais une Bastos dans la jambe à Irving. T'es sûr de pas le louper après. Tu vois, tu le ramasses. Ah ah. Take it, Roger. Ok, faut faire le tour. Et une échelle là. On a déjà buté tout le monde? C'est étonnant. Coucou. Ah ouais, t'es long à la détente toi. Hein. Ah tu permets. Oh puis merde. On va pas y passer 10 ans non plus. Oh non. Il peut venir là, il peut grimper. Relâche. Oh non, je perds pour ça, quoi. Mais quelle naze. Shiva, va chier, oui. Mais non, on est prêt, allez. Bon, ça reprend d'où, là? La tronçonneuse directe. Oh non, on se retape. Pff,
Tout ça parce que l'autre elle sait pas courir. Oui, allez, passe. Oh, j'ai tiré dans sa flèche. Voilà. Allez, 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 allez. Donc, allez, ils sortent de leur cachette. Ah, il y a lui là. Quel on a la détente. Voilà. Le tonneau. Et là, je vais poser une mine ici. Pour le temps pas fait. Voilà. Puis je vais en foutre une là aussi. Voilà. Et maintenant, on va aller prendre la petite tyrolienne rigolote. Et recharger mes armes aussi, hein, tant qu'à faire. Vas-y à fond. Vas-y, descends, que je rigole. Oh oui. Il s'est pris la deuxième. Comme c'est dommage. Il va monter, il va faire quoi? Il est où là? Allez, cours. Il est bientôt mort ce pont. Si elle se fait buter là, alors elle est capable, hein.
Mais non, mais elle l'a fait. Pas me dire qu'on se refait tout là. On recommence. Non, mais non. Mais non. Mais. Mais quelle est naze ce. Allez. Allez, très très vite là. Ah, tiens, je te pète les genoux. Allez, 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 allez. Peut-être un peu plus... ouais. Là, hein. Là, hein. Là. Voilà, si avec ça, il est pas mort, lui. Pourquoi elle a plus de munitions, elle? Voilà, prends des munes, vas-y, prends-toi-en encore, là. Et merci beaucoup, DarkPrince126, pour le follow. Merci à tous. Hein. Allez, on y retourne. La tyrolienne. Contre le deuxième à la tronçonneuse, je sais pas comment je vais m'en débarrasser. Hein. Si, peut-être à coup de grenade, mais pour ça, faudrait que j'ai une grenade. Hein. Ah, déjà la vie à donf. T'as des grenades, toi? Ouais, donne les grenades. Voilà, de toute façon, tu t'en sers pas. Hein. Oui. Allez, allez. Va manger des mines, toi. Ne me saoule pas. Ouais. Ah, je peux pas les prendre. Oh. Deuxième mine. Voilà, deuxième mine. C'est très bien, c'est très bien. Tiens, je vais te donner quelque chose, toi. Je vais te donner ça. Donc ça, je prends la mine. On recule. Non.
Bon, est-ce que les mines ne servent à rien? Je sais plus, moi, là. Je sais plus. Allez. Alors, elle va vouloir se faire là-haut, là. Voilà. Ah, elle fait sa petite vie toute seule, elle. Voilà. Bouge pas. Voilà. Elle ferait mieux de garder le magnum pour mettre la tronçonneuse. Non, non, non. Toutes les mines. Voilà, tu vas mourir, toi. Allez, un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche, hein. Ah. Toi, là. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose, les mines. Je sais pas si on peut le buter, en fait. Je suis un espèce de némésis. Voilà. Voilà. Toi, tu prends ça. Hop là. Allez, va tourner. Je sais que vous êtes caché là, coucou. Youhou. Coquinou. Voilà. C'est marrant, tu ressembles étrangement au Los Plagas de Resident Evil 4, toi, avec ta moustache et ton teint blafard. Allez. Le mou de la gâchette là-haut. Là, du coup, je n'ai même pas mis de mine. Hein? Elle couvre de quoi, elle. Casse-toi. Allez, on court, on court, on court. Ah oui, ça c'était un peu con, ça. Il va falloir qu'on se barre en courant. C'est pas pris les mines, ce con. Allez, je réessaye un coup, hein.
On va bien voir. Look, it's Irving. Tais-toi avec tes cinématiques là, tais-toi. Et on va faire un truc, tu sais quoi? Arrête. Voilà, on échange, ok? On échange contre le Rocket. Voilà. Ouais, j'ai un Magnum, au moins on verra bien ce que ça fait. Ouais, j'aurais pu le prendre à coup de Rocket le gros aussi. Là. Et regardez la dynamite à vos pieds. Voilà. Et puis du coup, elle a plus d'armes, elle. Pourquoi elle a plus rien? Elle a plus de balles, plus. C'est parce qu'elle a plus de place. Donc, tiens. Voilà. Là, peut-être que le Magnum dans sa tête, ça le bute. Voilà. You grab it. Okay. Shava. Okay. Shava. Oui, j'en ai plus. Bon. Ok, j'ai tiré dans la dynamite, c'est peut-être parce que j'ai fait de plus intelligent. Attention, il a eu le temps de l'allumer ou pas? Voilà. Je peux pas l'envoyer elle. Non. Oh putain. Cours.
Un point de sauvegarde. Oui. On se casse. On se casse, même pas j'essaie de l'affronter lui. Ah ! Je l'ai fait. Ah, oh, je l'ai fait. Ah, oh, je l'ai fait. Irving, on est un peu remonté. Tu ferais mieux de sortir. Pas Irving? Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? What? How did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Let's save the chit-chat for later. Ok, c'est le caca. Je voulais l'écraser à la base, hein. Ah, des pièces. Ah oui, il faut couvrir l'autre, c'est vrai.
catch up, but don't let your guard down. There's bound to be more. Come on! Allez, remettez-vous tous dans le cadre là. On va faire une photo. Du lourd là. Et toi, rentre dans l'ascenseur aussi, non? Alors ça va, j'ai cru qu'il restait, sans aucune raison. On va se faire passer pour un martyr. Argent, oh, une mine. J'aime bien les mines. Ben on va le couvrir encore. Ça va être la galère. Depuis le début de l'histoire, c'est la galère. Oh non! Non! Mais non, ne monte pas, toi, on se casse. Are you okay? Yeah, I think so. I'm okay. It looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a talk up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Be careful. Let's hurry. Okay. Are you okay? Oh putain. C'est pas fini. C'est pas fini. Y a plus de munitions, y a plus rien, et c'est pas terminé. T'es sérieux, on aurait pu passer par là en fait? Juste pour venir ici? Pourquoi on a fait tout le tour avec l'ascenseur, le stress et tout, s'il suffisait de sauter par la fenêtre? Ah, that's Irving's boat.
Mais donnez-moi des munitions, bordel! Là, vous attendez quoi? Wait. On pouvait pas prendre un bateau ou un truc? Ah oui, argent, argent, très important, argent. Pardon, pardon, excusez-moi, on fait que passer. Dis, excusez-moi, on ne fait que passer. Pardon, 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 mais non. Voilà. On sait que le temps presse. Et merde, pourquoi il met des mines là, sur le passage aussi? Ah. Chapitre fini. Voilà, ça c'est fait. Ah putain. Oh, je me serais accroché cet après-midi là. Je crois que le pire ça a été l'autre à la tronçonneuse. Hein. Donc Shiva Lomar dans les archives. Ok, ça marche. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour ce live de Resident Evil 5. On aura quand même bien avancé. Hein. Je me serais bien marré également et j'espère que c'est aussi votre cas. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne et puis pour ceux qui voient l'artif sur YouTube, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Loul 5100. Ciao ciao ciao. Enfin, j'ai envie de pisser mais d'une force. Ah.